Ben, j'ai bien la chimio, mais elle dort hyper mal. Alors elle est crevée, puis moi aussi. Le médecin, il est bien? Ouais. Mais si le traitement marche bien, c'est déjà pas mal quand même. On sait pas s'il marche, on sait qu'elle le supporte. De toute façon, j'ai rendez-vous tout à l'heure avec son médecin. J'espère qu'on en saura plus. C'est un vol de sac à l'arraché. Les deux types étaient en moto. Ils ont attaqué la victime au moment où elle ouvrait sa boîte aux lettres pour prendre son courrier. Les sapeurs-pompiers viennent d'arriver. Première vue, il n'y a pas de témoin valable, mais on continue de ratisser. Bonjour madame, je suis le capitaine Fournier de la PJ du quartier. Le lieutenant Leonetti. Lieutenant. Oh. Oui. Je suis désolée de vous embêter avec mes histoires. Oh, c'est ridicule. Ça va aller, vous savez. Comment ça s'est passé, madame? Je suis allée à la poste en retirer de l'argent. 1 000 francs sur mon livret. La poste de la rue Marbuzet? Oui. Vous n'avez pas l'impression d'avoir été suivi pendant que vous rentriez chez vous? Il n'y avait pas que mes 1 000 francs. Il y avait mes papiers aussi. Et puis, la photo de mon mariage. C'était en 39, au mois de juin. Oh. Il faisait si beau. L'agresseur, vous avez vu son visage? Il avait un casque avec un verre opaque. C'était la seule photo de mon mariage qui me restait. On la retrouvera peut-être. Vous vous rappelez la couleur du casque? Rouge. Allez, ça suffit. Allez, il faut qu'on l'emmène immédiatement. L'oxygène. Vite. C'est à quelle heure ton rendez-vous à l'hosto avec Jamie? 11h. Tu pourras passer la voir après? Si le rendez-vous se passe bien, ouais. Ça se passera bien. Qu'est-ce que t'en sais? T'es médecin? Bah non, mais... Bon bah alors pourquoi tu dis que ça se passera bien? T'en sais rien? Non, j'en sais rien. Je dis ça parce que t'es mon pote et que j'espère que ta femme va s'en sortir. Ça te va? Non. Bah, j'ai que ça en stock. Hein. Amenez-moi de la glace, s'il vous plaît. Ouais, j'arrive. Sur la vidéo de la poste, on voit clairement deux types qui surveillent les allées et venues. Ils sortent juste après la victime. Malheureusement, ils sont de dos sur toute la bande. J'ai fait faire des agrandissements, des casques, des blousons. Bon, je pense que ça changera. Il n'y a pas de glace dans le frigo, commissaire. Vous avez oublié de ranger le bac. Quoi ça, j'ai oublié? Eh, je suis quand même pas barman ici, merde! Commissaire. Bon, ça va, vous, hein? Bon, alors, allez me chercher de la glace au fast-food! Tu me laisses, s'il te plaît? Je vais taper le PV de saisie. Ouais, c'est ça, Léonetti. Allez taper, moi, j'allais taper. Tiens, vous avez soif? Vous vous rendez compte que vous êtes en train de vous détruire, là? J'adore les types comme vous, Fournier. Ça boit pas, ça fume pas, c'est propre sur soi, ça a toujours raison. Si j'ai envie de me détruire, moi, c'est quand même mon problème, non? Mais hop. Ça va? Ouais. Dis-nous ce soir. Tu veux. Moi, cache ta joie. Oh, c'est pas après toi. Bon, on verra ça tout à l'heure. Avance-toi. Bon, vous l'avez quand même bien volé, ce portefeuille. Mais non, il est tombé. Je lui ai rendu à la meuf, elle a mal interprété. Barjot, c'est tout. En fait, c'est elle qu'il fallait serrer. Vous pouvez me faire des photocopies de cet avis de recherche en 50 exemplaires et tout verso? Petite, le taulier, je l'aime bien, mais il a pas à me parler comme ça. Il est au fond du trou, là. Attends, elle a raison, là. On peut pas continuer avec un taulier imbibé en permanence. Ça commence à savoir à l'arrondissement. Tu proposes quoi, une pétition? Un jour, tu regretteras de l'avoir couvert comme ça. Ici. Bon, moi je vais faire le tour des fourgues branchées deux roues, tu veux venir? Bah non, j'ai le PV à taper. De toute façon, après, je file à l'hosto. Ok. À plus tard. Nadine, il y a cette dame qui... Je voudrais voir le commissaire, s'il vous plaît. Oh, le commissaire, il est occupé, le commissaire. Vous êtes libre, vous, lieutenant? J'ai un PV à taper. Moi, je suis libre. Attends, et moi alors? Toi, tu retournes en cellule. Installez-vous. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Mon fils est victime de racket à la sortie de son école. Vous êtes sûr? Montre. La montre?
Il me l'a caché pendant 3 jours. Il est dans quelle école? Au collège Saint-Ferdinand, rue Lascaz. Ça fait des mois qu'on sait qu'il y a du racket. On en a même parlé au dernier conseil de classe. Mais le proviseur veut rien voir. Et les parents ont fait ce qu'on peut. Puis bon, on se dit que ça tombera pas sur son môme. Vous souhaitez porter plainte? Oui. Bon, je vais entendre votre fils et... Mais vous allez l'interroger sans moi? C'est la procédure, madame. Vous inquiétez pas. T'es en quelle classe, Luc? 6e 3. Et ça marche, Daniel? Ouais. Après l'histoire, je joue. Ah, c'est comme moi, j'étais nulle en histoire. Luc, tu veux pas nous dire qui t'a fait cette blessure au bras? Je suis pas un cafeteur. Attends, mais c'est pas cafeté, ça. Ils sont plus grands que toi, ils sont armés, toi, t'es tout seul. Et puis, c'est le courage, c'est souvent d'admettre qu'on a besoin d'aide. Hein. Karatchuk? Non, merci. Dis donc, Luc, tu veux pas nous dire qu'est-ce qui t'a fait ça? Le chef, c'est un beurre. Lui, il est pas du bahut. Les autres l'appellent Steph. Il est hyper grand, il a au moins 15 ans. Mais comment? Il a des boucles d'oreilles partout. Il est avec un autre. Lui, il est du bahut. Il est en 3e. Il est toujours avec un chinois. Je connais pas leur nom. Et ton lacet, c'est pour ça que tu voulais pas parler tout à l'heure? Lundi, il voulait mon argent de poche. Mais je l'avais pas eu parce que j'avais eu 5 en histoire géo. Ils m'ont pas cru. Leur ils m'ont mis de la colle dans les cheveux. Et Steph, il a commencé à me faire mal. Alors après, c'est là où l'autre, il m'a filé un coup de cutter. Il a dit, si jamais je racontais ça à mes parents, ils allaient me couper les... J'avais un gros PV à terminer, fallait l'envoyer d'urgence au parquet. C'est pas grave, de toute façon, il y a encore quelqu'un. T'as pris la clope? Oui, juste une de temps en temps, après les gardes. C'est un peu con, ça, non? Oh, Bernardo! Ça va, je suis stressée, c'est pas le moment. Bon, t'as raison. Tiens, prends-le. Ça va bien se passer. Tiens. Cela, Letty. Après. Asseyez-vous. Bon, les nouvelles sont pas mauvaises. Pas mauvaises, ça veut dire quoi? Le bilan hématologique est pas mal. Le taux de réduction des masses ganglionnaires est encore un peu faible, mais... Bon. Non, non, ça va. Elle va guérir? Attendez, pour le moment, mon problème, c'est la réduction des ganglions. La guérison, on verra après. Et les ganglions... Comme je vous le disais, le taux de réduction de la masse est encore faible. Tu comprends ce que ça veut dire? Grosso modo, oui. Monsieur Leonetti, on est au milieu du traitement. Soyez patient. Je comprends rien, moi. Ça va ou ça va pas? Mais il a dit, on est en plein milieu du traitement. Mais t'écoutes rien. T'arrives avec tes angoisses et t'écoutes pas. Attends, Jeannine, t'es un peu dure, là. Oh, excuse-moi, je suis fatiguée. C'est curieux, tout à l'heure, pendant le rendez-vous, j'avais l'impression... Vous étiez parlé avant ou quoi? Mais non. Enfin, tu m'avais dit que ça allait mieux, tu sais, on se croise dans un hosto, hein. Elle est où, la petite vieille de ce matin? En réa, au 2e. Qu'est-ce qu'il faut en réa? Elle a fait un comment en arrivant, on vous l'a pas dit? Non. Tu devrais voir avec l'interne, il était pas optimiste. Dis, Jeannine, tu ne cherches rien? Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Faut que j'aie mon patron, allez, à ce soir. Thank you.
Avec Fournier, alors, c'est une affaire qui roule. Je vois pas en quoi ça te regarde. Bah, vous passez votre temps, vous dévorez les yeux, vous vous frôlez toute la journée. C'est sûrement le travail, ça me regarde. Et toi, t'en es où? Tu vas voir les putes, t'as des maîtresses, comment ça se passe? Un jour, je te raconterai. Ouf, presque surtout pas. Oh, je crois que voilà mon client. Mais c'est qu'ils sont même pas 14 ans, ces cons-là. Notre ami Staffy l'a plus. Mais ça deal un peu aussi. Ça serait cool. Parce que le racket avec des mineurs, je te raconte pas la galère. Putain, ça y va, dis donc. On attend toujours, là. Le petit n'a pas son cutter, ils ont rien pris au gamin et pour le deal, on n'a rien de sûr. Faut être patient dans la police. Je sais, merci. Je peux pas. Lopez, qu'est-ce que tu fous? Mais... Mais putain, arrête! Putain, les coffres! Ça va? Ça va? C'est rien, c'est bon. Ok? Ça va. Ouais, ouais, ça va, je sais, j'ai merdé. Mais avec les photos... Le proviseur fera l'identifier et on pourra les retrouver. Steph, il est pas du bahut, alors le proviseur nous sert à rien. On n'a rien, Lopez. On n'a rien contre eux, tu comprends pas ça? C'est le deal qui nous fait l'enflag. Le racket avec des mineurs, c'est de la foutaise. Maintenant, ils vont se méfier. Et on n'aura rien d'autre. Avec la plainte de Luc, on pourra toujours pincer le guetteur. Ouais, ouais. Madame, j'enquête sur une affaire de vol à l'arraché. La victime est une vieille dame de 78 ans qui est dans le coma. C'est donc très urgent. Oui. Il porte un casque intégral rouge avec un autocollant où est inscrit Airborne et une tête d'aigle. Je vous remercie. Et merde. Franchement, c'est con d'écrire sur le bottin. Parce que le prochain qui aura une enquête... Oui, mais il y a des gommes, là, si tu veux. Monsieur est surmené? Je sens que Marie s'attache à moi. C'est cool. J'ai pas envie de la faire souffrir. Arrête de la voir. Tu crois que c'est facile? Ça, fallait peut-être y penser avant de te la taper par devant et par derrière. Hein. Arrête. Oh, j'appelle le proc. Eric, tu viens dans ma cuisine, s'il te plaît? Et tu le quittes pas. Je te rejoins là-haut. Pas dans une heure. La garde à vue, elle court. Le temps que t'appelles le proc. Ça va? Non, j'ai merdé, je suis intervenue trop tôt et Mourad me prend la tête. Ça va s'arranger. Avec le proviseur, c'est verrouillé. Mais le proviseur, il s'en fout, lui, du racket. Ce qu'il veut, c'est pas de mauvaise publicité pour son établissement. Il a quand même aidé à coincer ce petit connard, là. Oh. On dit nous ce soir? Un italien? Oh non, non, l'italien, il est hyper cher. Tu choisis, l'important, c'est que ça soit tranquille, quoi. Qu'on puisse parler. Pourquoi, t'as quelque chose à me dire? Non. Non, rien. Je tiens. Vas-y, c'est quoi? On en parlera ce soir. Ah, vas-y. Pas maintenant. Vincent. J'aurais rien dû dire, je suis con. J'ai rien dit. Lopez, tu t'amènes. Je vais les mettre en garde à vue. Tiens, tu faxes au parquet le PV de garde, s'il te plaît. Tu sais pourquoi t'es là, Kevin? Non. T'es là parce qu'il y a des élèves de ton lycée qui disent que tu les rackettes. C'est pas parce qu'ils le disent que c'est vrai, hein? Non, c'est parce que c'est vrai qu'ils le disent. T'étais où ce matin? J'ai pris mon petit-déj,
Je me suis lavé les dents. Ok, t'arrêtes de te foutre de notre gueule. Entre 11h30 et midi moins le quart, t'as fait quoi? Je sais pas, j'ai pas de montre. Si tu continues à prendre comme ça, ça va mal se passer, ok? Vous allez me dérouiller la gueule? Non. C'est toi qui dérouilles les copains, Kevin. Il m'avait insulté. Il m'avait traité de pédé. Attends, cette mi-portion là, il t'avait traité de pédé, toi et tes trois potes? Bon. T'as un copain qui s'appelle Stéphane? Steph? Non. Eh ben c'est drôle parce que regarde, là c'est lui. Et là c'est toi. C'est drôle, non? Je le connais à peine, je sais même pas comment il s'appelle. Steph. Il vient d'où le shit? Tu m'as très bien compris. Je sais pas de quoi vous voulez parler. Je te parle de ce qui circule là, ça vient d'où? Je sais pas, je me rappelle pas. Tu sais ce que tu risques avec ça? Ben, de devoir faire la vaisselle pendant un mois au Resto du Cœur, hein? Ok. Le shit, tu connais pas. Le racket, tu connais pas. Seulement voilà, il y a un gros problème. C'est qu'il y a un des mecs que t'as racketé qui porte plainte. Je veux un avocat. Pourquoi, t'as fait quelque chose de mal? Non. Eh ben alors t'as pas besoin d'avocat. Y a quelqu'un chez toi, là? Y a peut-être mon père. D'accord, alors on va aller chez toi, on va fouiller dans ta chambre et on va bien voir ce qu'on y trouve. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as fait, Kevin? J'ai rien fait. Bonjour, ne parlez pas à votre fils. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est mis en cause dans une affaire de racket et de trafic de stupéfiants. Bon, tu t'inquiètes pas, ça va s'arranger. Ne parlez pas à votre fils, s'il vous plaît. Kevin? Ça. Je suppose que c'est pas à toi. C'est une copine qui l'a laissé. Je savais pas ce que c'était. Et ce couteau, il est à elle aussi. Enfin, je suppose qu'il n'y a pas des empreintes dessus. Ben, une fois, je l'ai fait tomber. Je l'ai ramassé. Alors peut-être... Comment elle s'appelle, ta copine, Kevin? Je sais plus, c'est la copine d'un copain. C'est quoi ça? C'est une photo de famille? Je l'ai trouvée dans une poubelle. Bah oui, il aime bien les vieux journaux, les vieilles photos. Eh ben, dis-leur, explique-leur. Pourquoi tu te défends par là? Est-ce que vous voulez bien ne pas parler à votre fils, s'il vous plaît? Attendez, c'est la Gestapo ou quoi? Tiens. Je peux vous parler 5 minutes, Mourad? Tu termines? Merci. Oui. Viens. Assieds-toi, tu bouges pas. Excusez-moi, mais empêchez un père de parler à son fils. Il est en garde à vue. Peut-être, mais c'est des méthodes de facho, ça. Ah bon, parce que se mettre à quatre pour agresser un môme de 10 ans, c'est des méthodes de quoi? Kevin n'a jamais pu faire ça. J'ai vu Kevin le faire pas plus tard que ce matin, monsieur Lejean. Maintenant, si vous voulez continuer à fermer les yeux, c'est votre problème. Bon. Je vous préviens, j'ai un pote avocat à la Ligue des droits de l'homme. Appelez votre ami avocat. C'est pas ça qui changera la réalité des choses. La réalité, c'est que Kevin deal de la drogue, raquette des mômes de 10 ans avec un cutter et se prend pour un caïd. Vous saviez que votre môme se droguait? Bon, je peux lui parler, là? Non, vous ne pouvez pas, il est en garde à vue, monsieur Legendre. Se droguer. Avec les flics, c'est tout de suite. Il fume un joint de temps en temps. Excusez-moi, mais le cannabis, moi, je suis pas contre. Vous avez jamais fumé un joint, vous? Mais c'est pas de moi dont il s'agit, c'est de Kevin. Et le problème, c'est pas qu'il fume des joints. Le problème, c'est qu'apparemment, vous ne lui en avez jamais parlé. Et au nom de quoi j'aurais pu lui interdire? Pas lui interdire, lui en parler. Mais pour lui dire quoi? Mais enfin, il deal de la drogue! Il raquette des mômes de 10 ans, vous attendez quoi, qu'il en égorge un? Est-ce que vous connaissez un copain à lui qui s'appelle Steph, Stéphane, un beurre, qui a des boucles d'oreilles partout? Vous me demandez de dénoncer un môme, là? Apparemment, c'est lui le meneur, et j'espère qu'on va l'agrafer, parce que si le proc n'a que Kevin à se mettre sous la dent... J'ai rien à vous dire, moi, vous faites votre boulot. Je comprends pas, votre fils est dans la merde. Il a sans doute été entraîné par son pote, alors aidez-nous, c'est pas de la délation. Il vit dans un squat, dans la rue Trimoulet. Ah bah ça alors, Jérôme Dercourt, dit Jeff. C'est sympa de venir nous voir. Dis, il me semblait t'avoir dit que je voulais plus de toi sur mon territoire. On l'a serré dans un box de garage en sous-sol près du boulevard. Il essayait de vendre une moto trafiquée à un blackhouse qui nous a filé entre les doigts. On a contrôlé la moto, c'est celle de ce matin. TV de saisine. Beau boulot. Capitaine. Alors, tu fais dans la moto volée maintenant? Vous allez pas me faire chier pour une petite bécane de merde quand même. Ah si, parce qu'elle a servi ce matin à agresser une vieille dame qui maintenant est dans le coma. C'est pas ton jour de chance.
Qui t'a fourgué la bécane? Je l'ai trouvé sur un chantier. Arrête tes conneries! On va croire que c'est toi qui as attaqué la vieille. Non, je vous dis que je l'ai trouvé. Je répète ça encore une fois et je te défonce la gueule. Tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé? Tu l'as trouvé, réponds, bordel! Non, ça va, putain. Putain, c'est pas mon genre de chance, hein. Ce matin, on m'a refilé une dose pourrave, là. Excuse-nous, on n'a pas le temps de pleurer. Qui t'a fourgué la bécane? Un môme que je connais pas. T'achètes à des inconnus, toi. Mais je suis dans la rue, là, j'ai plus une thune. Et je prends des médicaments qui coûtent cher. Ton môme, il porte un casque rouge. Oh. Avec cet autocollant, là? Ouais. Il est comment? Bah, il avait son casque sur la tête, alors j'ai pas bien vu. Il est comment? 15-16 ans, j'en sais rien. Des mineurs. Putain, c'est vraiment la journée. Comment est-ce qu'on peut le trouver? Mais je vous dis que je te connais pas. Arrête tes salades! S'il est venu te voir, c'est qu'il te connaissait par quelqu'un. Mais je ne sais pas par qui. Vous voulez pas me laisser sortir là parce que je me sens pas bien. Bon, tu me fous ce connard au frigo, ça lui rafraîchira la mémoire. Mais je vous dis que je suis pas bien! Non mais laissez-moi! Non mais laissez-moi! Tu sortiras pas d'ici tant que tu m'auras pas filé un tuyau. C'est clair? T'appelles un médecin, tu fais faire un certif, j'ai pas envie de faire la une des journaux. Allez! Vas-y, je tire ce con! Dans mon bureau. Ceinture, lacet! Oui, Fournier, PJ Saint-Martin. Oui, on a deux GAV à garder pour la nuit. Un toxico et un mineur de moins de 16 ans. Bah dans moins d'une heure, ça serait bien. Non, écoutez, on va pas poireauter jusqu'à minuit. Chacun sa merde. Ok, merci. On a perquisitionné chez Steph, il vit dans un squat. Il était pas là et on n'a rien trouvé. Et toi? Moi, j'ai trouvé où on va dîner. C'est grand, c'est calme, c'est clair, c'est simple, c'est convivial, il y a de l'espace, on peut parler. Tu manges pas? Non, ça me coupe l'appétit, moi, de devoir faire les nounous pour des gardes à vue jusqu'à minuit. Puis les éponges, j'en ai un peu marre. Tu veux des frites? Vincent, t'avais pas un truc à me dire? Si, mais... Enfin, je veux dire, il n'y a pas de scoop. Hein. Je sais pas, tout à l'heure, avec ta gueule enfarinée, tu m'as dit que t'avais quelque chose à me dire, alors... Ben, cette chose, je la voudrais maintenant, entre le coca et le ketchup. C'est pas facile. Tu veux qu'on arrête? J'ai pas dit ça. Tu dis jamais rien. Écoute, oui, je crois que ça serait mieux qu'on arrête. Pourquoi? J'ai rien à offrir de durable. Et j'ai peur de te faire souffrir. Tu vois, Vincent, là, c'est maintenant que tu me fais souffrir. C'est pas la même chose. Bon. Eh ben, écoute. Au moins, comme ça... C'est où on en est? Et ton agression? Marie. T'as dit ce que t'avais à me dire. Alors c'est bon, ok? Ok. Alors, cette vieille? Pas brillant. Ton Kevin, tu vas le déférer? Je vois pas comment, hein. Entre Steph, qui est dans la nature, et ce que j'ai trouvé chez Kevin, c'est-à-dire 3 grammes de shit. Et le butin du racket?
Voilà, je pense qu'avec ça, je peux monter un stand opus. Tu fais collection? C'est quoi, ça? De quoi? La photo. Je l'ai trouvée dans une boîte sous le lit de Kevin. Il a dit qu'il l'avait trouvée dans une poubelle, mais j'ai eu le sentiment que c'était pas vrai. Dans le sac de ma vieille, il y avait la photo de son mariage. C'est même la seule qui lui restait, avec la même date, 1939. Tu crois quand même pas que c'est Kevin qui l'a attaqué, ta vieille? Il a 14 ans. Justement. L'autre m'a dit que le type qui lui a vendu la moto était mineur. Le collège Saint-Ferdinand, c'est juste à côté de la poste, ça pourrait coller. Tu me mets Kevin en cuisine. Et tu lui dis rien qu'il est vraiment les jetons. D'accord. Je veux un avocat. Il a déjà vu son avocat, non? Bah... il en a parlé hier, mais comme c'était pas très clair, on n'a pas... Appelle à permanence avocat et reste évasif sur l'heure de la GAV. D'où vient cette photo, Kevin? Je l'ai déjà dit à la nana. Je l'ai trouvée dans une poubelle. Où? Dans quelle rue? Je sais plus, je me promenais en pleine nuit. Je l'ai vue. J'aime bien les vieilles photos. Dans quelle rue, Kevin? Rue Marvaux. Ouais, c'est ça, rue Marvaux. Je me rappelle, la poubelle était à côté de l'arrêt de bus. C'était quand? Il y a une ou deux semaines. La permanence cherche un avocat. Il est naze. T'as un casque, Kevin? Un casque rouge avec un autocollant? Non. Et la photo, tu l'as trouvée il y a une semaine, deux semaines, c'est ça? Peut-être trois semaines, quoi. Alors ce matin, cette photo se trouvait dans le sac d'une vieille femme. C'est sa photo de mariage. J'aimerais bien la convoquer pour qu'elle confirme, malheureusement c'est pas possible. Tu sais pourquoi? Oh, on te parle là. Pourquoi? Parce qu'elle est dans le coma, Kevin. Parce que toi et ton pote Steph, vous l'avez amoché en lui piquant son sac ce matin. C'est pas moi. J'y étais pas. Si, tu y étais! On a trouvé cette photo chez toi! En fait, je me rappelle. C'est un copain qui me l'a donné ce midi. Mais le mec à qui vous avez vendu la moto, il va te reconnaître. La vieille dame est dans le coma, Kevin. D'après ce que disent les médecins, elle risque d'y passer. C'est pas un racket de stylo, là. C'est pas un deal de quelques grammes, c'est sérieux. Laissez-moi. Mais... c'est du meurtre, là, Kevin. Tu comprends, ça, du meurtre? T'as beau être un mouflet, cette fois-ci, t'y couperas pas. T'es bon pour la tôle. 5 ans, peut-être 10. 10 ans dans une cellule de 2 mètres sur 2 avec des mecs qui se font chier. Mais ils ont rien d'autre à foutre que de chercher des crosses ou même pire. T'es foutu, Kevin. Tu te mets ça dans la tête? Ta vie. Ta vie, elle est foutue. À moins que tu nous racontes tout. Le racket au bahut. L'agression de ce matin, tu nous dis où loger Steph? C'est lui qui t'a entraîné, non? Il a 2 ans de plus que toi. C'est lui le chef. C'est pas vrai? C'est peut-être pas toi qui l'a tiré le sac. Peut-être que tu conduisais seulement la moto. Tu savais pas ce qu'il allait faire, Stéphane, hein? Il disait que c'était juste pour rigoler. Stéphane Jadaoui. Vous reconnaissez donc avoir agressé ce matin une personne âgée vers 9h devant le 17 rue Larivet? Je l'ai pas agressé. Je conduisais, c'est tout. C'est donc Stéphane Jadaoui qui a arraché le sac de cette personne pendant que vous attendiez sur la moto? Oui. Je pensais pas que ça irait jusque-là. Je pensais pas.
en est où? Ça vous intéresse encore? Bon, ça va, Fournier, hein? Ça va? Non, ça va pas, non. Vous pouvez pas débarquer comme ça entre deux cuites pendant le boulot. Pour moi, vous êtes là, vous êtes pas là. En ce moment, vous êtes pas là. C'est bien joli, tout ce blabla. Mais le procureur, ça lui fout les jetons, un gosse de 14 ans qui se fait une vieille. Et quand il a les jetons, le procureur, qu'est-ce qu'il fait? C'est moi qui l'appelle. Bon. Alors? Vous en êtes où? On a les aveux du monde. Ils sont assez bien circonstanciés. Leur vendeur de moto l'a reconnu pendant la nuit. Ah, Jeff, vieille connaissance. Le problème, c'est que Kevin, il a 14 ans et il conduisait seulement. Ce qu'il nous faudrait, c'est l'autre, c'est Steph, mais Kevin refuse de le balancer. Eh ben, il refuse même le café. Monsieur ne boit que du thé le matin. Et la garde à vue finit quand? Dans 2 heures. Bon. Donnez-moi le PV d'audition. Attendez, commissaire, je vais faire une photocopie pour moi et puis je vais vous le donner. Je vais baratiner le procureur pour qu'il voit la prolonge de la garde à vue. Entre deux cuites, comme vous dites si gentiment. Fournier, vous savez que depuis 3 ans qu'on se connaît, vous m'avez jamais demandé pourquoi je buvais? On s'en fout de pourquoi vous buvez. Il faut arrêter. Maintenant, tout de suite. Merci, Marie. À plus tard, Fournier. Café? Café. Maître Septbon, je viens pour Kevin Legendre. À votre client est dans la pièce au fond, maître. Il a fait quoi? Vol avec violence et racket sur des mineurs. Vous le trouvez derrière les stores, là-bas. Merci. Je prendrais bien une douche, moi. On va pioncer 2-3 heures. Toi? Il y a la GAV à prolonger. C'est pas fini? Et donc j'ai une de ces fins ce matin, moi? Toujours une de ces fins. C'est pour une raison pour pas m'exprimer. Alors, tu lui as parlé? J'y tiens peut-être plus que ce que je ne croyais. Tu parles, t'as la tripe du matin, oui. Tu parlais pas autant de cul avant. Peut-être parce que depuis que Janine est malade, on fait plus rien. Ça fait 4 mois maintenant que... Bah tiens, Vlasa Topek. Vous auriez pu m'appeler cette nuit, non? C'est aussi mon affaire, non? Justement, comment ça se fait qu'il a pas vu son avocat hier? Il a pas expressément demandé. Je m'en fous qu'il l'ait pas demandé. Avec un mineur, sortez couvert. Avocat, première heure. Messieurs, je crois que mon client a 2 mots à vous dire. Je vous laisse, il faut que j'appelle le bâtonnier. Qu'est-ce qui manigance? Va chercher Kevin, monte-le dans la cuisine, je me rase, j'arrive. Je te suis. Tu
Tu voulais nous voir? Ouais. T'es prêt à nous dire où on peut trouver Steph? Je connais pas de Steph. Je veux revenir sur ma déposition. Les aveux que j'ai fait cette nuit, c'était du bidon. C'est vous qui m'avez forcé. Et puis, j'étais crevée. L'enfoiré. Et la photo de la vieille dame qu'on a trouvée chez toi, t'expliques ça comment? Je l'ai trouvée par terre, devant le collège. Si tu connais pas de Steph, explique-nous pourquoi ton père nous a indiqué son adresse. Je ne dirai rien avant de voir le juge. Tu sais que t'aggraves ton cas, là. Je ne dirai rien avant de voir le juge. Le taulier veut vous voir, il est en ligne avec le proc. Oui? Oui, d'accord. Justement, le capitaine Fournier qui dirige l'enquête vient nous rejoindre. Je vous le passe. Capitaine, je suis désolé, mais à partir du moment où Kevin Legendre rétracte ses aveux, je ne prolonge pas la garde à vue. Comment, il le sait déjà? Je vous suis pas bien, monsieur le procureur. Vous m'expliquez pourquoi Legendre n'a pas vu d'avocat dans la première heure de sa garde à vue? Je crois qu'il y a eu un problème logistique avec la permanence, avocat. Ensuite, votre vendeur de moto qui soi-disant reconnaît Legendre, apparemment, il l'a croisé dans le commissariat avant l'identification. Évidemment, on pouvait pas savoir que les deux affaires étaient liées. Oui, mais alors votre identif, elle tombe. En tout cas au tribunal, si encore vous aviez l'auteur principal, Jadawi Stéphane... C'est justement pour la voir que j'ai besoin que vous prolongiez la garde à vue de Legendre. Mais si je vous la prolonge et que vous coincez pas l'autre, on va se retrouver à déférer Legendre tout seul, on aura l'air de... C'est déjà mieux que rien, non? Mais enfin, tout ce qu'on peut espérer avec un mineur de moins de 16 ans, c'est qu'il se retrouve au foyer aux frais du contribuable. Vous m'expliquez l'intérêt? À vous, je sais pas, à la famille de la victime sûrement. Ah, je vous en prie, hein, jouez pas à ça avec moi, votre dossier est bâclé. Alors maintenant, c'est simple, ou bien Legendre réitère ses aveux, ou bien vous cravatez Jadawi, sinon Legendre est dehors dans une heure. Bonjour. Est-ce que quelqu'un a une idée géniale? Écoutez, Kevin, y a rien à faire. Et sur Steph, y a une chance d'avoir du rapide? Il y a un type qui serait son dealer, mais c'est du vague. Et de toute façon, on se demanderait une longue planque. L'hôpital vient téléphoner. Ernestine Léoville est morte il y a 10 minutes. Oh, putain. Nadine. Je sais que c'est horrible ce que je vais dire. Mais avec la mort de la victime, on reprend la main. Il faut convoquer le père du gamin. Vous vous appelez Marie, vous lui dites de rappliquer Dardar. Mais vous pouvez pas l'appeler, vous. Non, non, elle va râler qu'on la réveille, je préfère que ce soit sur vous. Capitaine Fournier, qui est chargé de l'enquête. C'est pas de bonnes nouvelles pour vous, monsieur Legendre. Je comprends pas. L'avocat m'a dit que Kevin allait sortir bientôt, là. Ah oui, mais l'avocat, il ignorait un détail. C'est que la vieille dame que votre fils a attaquée... Mais c'est pas lui. Elle est morte, monsieur Legendre. Elle est morte il y a une demi-heure. Non, c'est pas vrai. Malheureusement, si. Ce qui veut dire que si votre fils sort libre d'ici après ce qu'il a fait, à 14 ans, il aura commis un meurtre, sans aucune sanction. On peut dire que sa vie est finie. Bon. Vous proposez quoi? Il faut absolument que Kevin nous dise comment loger Steph. Mais il sera considéré comme complice. À son âge, avec un casier vierge, il risque rien. À part des travaux d'intérêt général et un contrôle judiciaire, ce qui serait pas plus mal. Écoutez, je peux quand même pas vous aider à coincer mon propre fils, enfin... Il s'agit pas de le coincer, il s'agit de l'aider. Nous, c'est Steph qu'on veut coincer. Non, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, il faut que vous sachiez que si Kevin sort d'ici maintenant, on le lâchera pas. On lui mènera une vie d'enfer jusqu'à ce que Steph lui fasse une connerie. Ce qui tardera pas. Pour vous, ça sera pire parce que vous le perdrez pour de bon. Enfin, les flics, t'es que je les aime, moi. Ça m'étonnait aussi. D'après ce que Kevin a dit à son père, lorsque Steph est pas chez lui, il vient ici. C'est un nid de frelons.
Alors maximum de précautions. On est que neuf et on n'a pas le choix. Je vous rappelle qu'un gars des stupes s'est fait larder ici l'année dernière. On reste groupés, on se concentre au maximum sur Steph. Le petit deal des étrangers, on laisse filer, ok? Excusez-moi, moi j'ai un problème. Je suis pas certain que Lopez soit à niveau pour une intervention de ce genre. Je suis désolé, mais après ce qui s'est passé hier... Tu peux me regarder quand tu me parles, s'il te plaît? Mourad, m'oblige pas à te rappeler que je suis ton supérieur. Et le mec de Lopez? Bon, les mecs, vous arrêtez vos conneries maintenant. L'ennemi, il est là-bas. Vos histoires, vous les réglerez après. J'ai pas envie de me ramasser un coup de surin parce que vous avez vos vapeurs, moi. Notre boulot, on le fait bien parce qu'on travaille ensemble. Alors après, les conneries. Ok, excuse-moi. C'est plutôt à elle qu'il faut que tu la serres. Ok, j'ai merdé. Un partout. Allez, on y va. En état d'arrestation, en procédure de flagrant délit. Vincent. J'aime bien cette odeur, moi. Allez. Je crois pas que je vais le faire, ce voyage. Parce que si je le fais... J'ai besoin des réunions, là. J'en ai vraiment besoin. Je trouve... Je voulais vraiment vous dire merci. Merci à tous d'être là. Et voilà. Merci. Merci à toi, Paul. Je m'appelle Jérôme. Je suis alcoolique. Et hier au soir, j'ai repiqué. Voilà. C'est tout. Mademoiselle, je m'appelle Marie-Noël. Je suis alcoolique. C'est pas facile de... trouver les mots, de trouver les gens, dire ce qu'il y a à dire, c'est pas facile. Ici, tu trouveras toujours quelqu'un, Marie-Noël, toujours. Merci, c'est tout là. Merci, Marie-Noël. Monsieur? Monsieur Lunette. Je m'appelle Henri.
suis alcoolique. Et ce soir... Ce soir, je... J'ai pas grand-chose à dire. C'est déjà beaucoup, non? Oui, c'est déjà beaucoup.